programme est présenté par Starpy Productions. Ah, ça tourne là ou pas? Je sais pas si ça tourne pas. Bonjour, bienvenue sur Starpy Productions. On peut pas boire son café sans enlever le filtre. Alors, cette petite vidéo, c'est une petite annonce concernant Starpy Productions, la chaîne YouTube, et puis aussi, fallait vous dire merci. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Enfin, j'ai mon petit papier. Alors, cet été, la chaîne, il n'y aura pas beaucoup d'activités dessus. Hein, normal, de toute façon, tout le monde va à la plage. D'ailleurs. Le dernier épisode de Bad Snake World qui va arriver, c'est-à-dire que je voulais continuer, faire quelque chose de plus long. Et à la place, y a un dernier épisode, ce sera l'épisode ultime de Bad Snake World. Mais vous inquiétez pas, parce que du coup, en fait, je sais pas si vous avez un peu suivi, mais... en fait, The Rats, c'est la suite de Bad Snake World. Voilà. Ça c'est fait. Ouais, je suis nul hein, dans les annonces, tout ça. Hein, je suis vraiment une pine. Je vais me concentrer un petit peu plus sur les courts-métrages parce que j'ai envie de développer un truc. En fait, j'ai plein de petites histoires comme ça à droite à gauche qui traînent. D'ailleurs, je vais vous montrer tout ça. Au sens où, finir Bad Snake World, c'est une façon aussi de me consacrer à autre chose. J'ai pas mal aussi, de vidéos. Attends, c'est à l'envers. Enfin, je sais pas si vous, c'est à l'endroit ou à l'envers. Je sais même pas si ça marche. Voilà, vidéo à faire. Voilà. Et je sais pas si tu vois, mais au niveau épaisseur, on n'est pas trop mal. Oh, t'as vu, j'ai même écrit sur une compresse. Il y a du spoiler là-dedans. C'est tout des sketchs et des petites vidéos qui sont déjà écrites, mais qui sont pas réalisées, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs, sur le truc, il y a écrit à faire. C'est parce que c'est pas fait, en fait. Contrairement de ça. C'est mon petit carnet secret. Et là-dedans, il y a un nom de vidéo. Un peu plus d'un nom de vidéo. Un nom de vidéo. Voilà. Ça là, entre les... Alors, ça c'est mon dessin animé, t'imagines, mon dessin animé, c'est Mario qui tient sur ça. Et en plus il a été mangé par mon chien. C'était le petit côté je suis content, tu vois, j'ai tout retrouvé, j'ai fait un petit carnet, tu vois, regarde les petits papiers, il y a les grands papiers, parce que tu vois, j'ai pris jamais sur le même format, tu vois. Donc tout sur papier quand même, tu vois. Rien sur l'ordi, rien sur le. Non. Sur la tablette, tout sur le papier, quoi, ce genre de et petits papiers. Donc ça c'est fait. Ça, je branche au fur et à mesure. C'est important, c'est important de ranger. Parce que je viens de tout faire. Alors donc ça c'est check dans la playlist de qu'est-ce qu'on a dit. Hop. Ça c'était le petit côté donc ce que vous allez avoir avant l'été. Donc avant l'été, non, je vais pas tout faire ça. Mais avant l'été, donc en gros, fin de Bad Snake World, dernier épisode, ultime, tout ça. Et je vais mettre tout mon cœur dedans pour qu'il soit mieux que le reste. Et puis voilà, quoi, qui ressemble plus à ce que je vais faire après. Et il y aura certainement aussi l'épisode 3 de The Rats qui va sortir, qui annonce aussi un petit caméo. C'est-à-dire que dans mon clip, dans mon animé. Dans mon animé, j'ai récemment participé à la création d'un clip avec Dead Cat Division. D'ailleurs, si tu connais pas, tu vas tout de suite sur internet. Là, tu déconnectes ton live. Et puis, tu vas taper sur Facebook ou sur YouTube, même sur Twitter, je crois qu'ils sont. Tu fais DCD, Dead Cat Division. Et voilà, tu vas te renseigner, tu regardes. Et puis, du coup, il y a le prochain clip là qui vont faire, qui arrive. Hein, moi, il est déjà fait et tout, mais il sort bientôt. Et du coup, j'en ai profité pour faire un épisode où, ils seront dedans, ils joueront une autre chanson. Et d'ailleurs, merci à eux pour les droits de la chanson. Alors, parce que les droits, ça coûte cher quand même.
sauf quand tu ne payes pas. Du coup, en août, bah rien. Voilà, j'ai écrit rien. C'est écrit. Mais c'est pour avoir le temps, en fait, de revenir en septembre. Voilà, avec plus de trucs sympas. Et t'as vu, quand je bouge la tête, ça bouge les yeux. Mais vous, vous ne le voyez pas. Ah oui. Alors là, Starpy, il aime bien le cinéma. Il avait tenté, tu vois, de faire des critiques cinéma. Puis il s'est rendu compte qu'en fait, bah, les mecs qui font ça, franchement, bah, ils font que ça, quoi. En fait. Voilà. Parce que ça, c'est un film. Et c'est même pas... C'est même pas terminé, il n'y a même pas les séquences vidéo à mettre et tout, tu vois, il n'y a rien qui est prêt, c'est juste sur le papier, bah ça me fait déjà chier, alors du coup je le fais pas. Voilà, c'est comment, voilà, tac. Alors du coup, les chansons que je mets sur ma chaîne Starpy Production, ou que je peux mettre en ligne, en fait, faut pas le prendre comme genre je veux créer des disques ou quoi, certainement pas. Mais j'aime bien me foutre de la gueule de la musique des fois, alors bah je fais des chansons, voilà. Ça c'est fait. Tout est fait avec mon téléphone aussi. Et du coup, maintenant j'ai un micro. Alors il est hors champ là, mais sur ce micro, et ben, ce qui est génial, c'est que ben, maintenant je vais pouvoir un petit peu plus m'appliquer quoi qu'avant. Et sinon, ben, je fais tout avec le téléphone. C'est du remix. Alors du coup, tu vois, je me fais pas vraiment chier. C'est pas comme quand je fais du son avec la machine, quoi. Voilà. Ah, il y aura des petits tutos pratiques aussi, je sais pas si vous avez vu, donc si vous avez des questions, ça c'est cool, tu vas sur Starpy Production, la page Facebook, et puis tu mets, tiens, genre, tu sais, dans communauté, là, tu peux écrire des trucs, tu dis, tiens, ouais, moi, j'arrive pas à faire ça, puis si je peux t'aider, bah, je ferai un petit tuto, parce que je me suis rendu compte que, bah, parfois, bah, rien que, tu vois... Bah t'es sur Facebook, tu veux déconnecter à tout jamais de Facebook, et ben y en a ils savent pas faire, et ben moi je peux t'aider là-dedans ou d'autres trucs comme ça. Voilà. Après si tu me dis oh, je sais pas faire de la peinture ou bah, c'est pas moi qu'il faut demander, mais moi je fais des trucs aussi comme ça. Voilà. Du coup il y aura un nouveau live machine aussi qui sort prochainement là. Du coup bien tribe tech boum boum, et puis après qui part en hardcore, mais bon ça c'est parce que faut pas juger les gens. On juge pas les gens parce qu'ils font du hardcore. Montrer ce qui a été fait. Ah ouais, ça du coup. Voilà. Et du coup, ouais, faire du montage, en fait, c'est hyper chronophage. Et ça rime. Et du coup, Et ben ouais, le fait que ce soit chronophage, et ben bah, je t'explique pas quand t'es tout seul à tout faire. Que tu dessines, que tu colories, qu'ensuite tu animes, et puis qu'ensuite tu mets les petits sons, parce que les petits sons ils viennent pas tout seuls avec les animations, d'ailleurs ça fait vachement. Et ensuite, et bah voilà, on m'a dit récemment qu'il fallait que je vérifie mes storyboards, machin, que c'était pas ça. Regarde, j'ai retrouvé le premier storyboard. Tout premier. Attention, ça c'est la petite musique, là, tiens, genre. Donc, regarde, c'est un storyboard. Voilà. Paye ton storyboard, quoi. Ça. Là, il fume la pipe. Il donne la pipe pour qu'il fume la pipe. Là, lui, il fume la pipe. Et là, il se fait tuer. Voilà. Et je le range précieusement. Et là, tac, t'as The Rat. Donc là, si tu veux, t'as... Je sais pas qui c'est. Là, t'as Batman. Ah oui, c'était Superman, il devait s'envoler, ça c'était, bah ça c'est un épisode cut, ça tu verras jamais ça. Même si le personnage il est dessiné, il est prêt et tout. Hein. Et là t'avais Iron Man, il tapait sa coke. Ah bah on l'a déjà vu ça, Iron Man qui tape sa coke, ça, bah, ça va très très vite. Hein. Et là bah t'as Batman et puis Superman et Spider-Man, ils sont en train de checker, regarde. Là il est beau celui-là. Trop casse. Enfin bref, je suis pas en train de me branler, mais c'est pour dire voilà, je fais des storyboards. Comme à la télé. Donc là, on avait notre personnage de Batman. Que je vais superposer à Superman. Voilà, t'as vu, c'est classe. Voilà. Prochain personnage que tu verras. Puis là, bah forcément, hey, regarde, en plus, t'as vu, tu peux même les retourner sur le dojo. Ah ouais, attends, je les inverse. Ah, on avait Batman et Superman. Voilà. Ça va vite, hein. Et puis là, bah ensuite, on a notre petit personnage. C'est pareil, t'as vu, c'est... Plus un côté parce que je me fais plus chier. Mais maintenant j'ai encore de nouvelles techniques de dessin, alors d'animation. Si on a Iron Man, tu vois. Enfin, vous avez vu que de face pour le moment, mais son dos était prêt.
En fait, c'est simple, hein, j'ai pris, tu sais, les petites poupées, là, les poupées ici, mais les pop et rose. Et du coup, bah, je me suis galéré avec ça. Ça change de mon premier dessin animé qui était format taille de mon. C'était la présentation. Voilà, et puis du coup, je sais pas si vous savez, du coup, bah, oh, regarde, c'est bien mis le filtre. Ouais, mais enlève-toi, on voit plus sa tête. Et du coup, bah voilà, sur le dragon, ça marche. Non, j'ai tout mon petit catalogue de dessins, donc je vais me tâter pour en refaire et en refaire et en refaire parce que j'ai retrouvé mes crayons. C'est pas que je les avais perdus, mais c'est que j'avais plus trop la motivation. Tiens, celui-là, je le kiffe, celui-là, c'est de l'image. T'as vu, tu vois, tu cherches Tarpy Production, tu cherches ça. Voilà. Et là, c'est Luigi, parce que Luigi, bah, pas de peau. Pas de peau, Luigi. Voilà. Bref, hein, on va pas faire le tour. Tout ça, c'est. Tout est sur la chaîne, les dessins. Voilà, regarde, tiens, petit gilet jaune. Celui-là, je m'en suis servi pour faire une animation. Tu vois, j'avais découpé le fond, j'avais découpé là, j'avais tout colorié aussi. Bien, rip. Tu vois, il y avait 12 tombes, si tu comptes bien, parce qu'en 2018, il y en a 12 qui étaient morts. Voilà, petit clin d'œil, petit rappel. Et puis, bah, au niveau de ça, c'est fait, ok. Et là, bah, du coup, tout ça, toute cette merde-là, et bah, regarde, ça a servi à faire des animations un jour. Même celui-là était très discret. T'as vu, le mec, il s'est fait chier à le faire dans l'animation. Bah, tu le vois même pas. Ah, si tu regardes pas au bon endroit. Et en plus, ça dure une seconde. Tu veux me dire à quoi bon faire ça? Ça, c'est pas assez, c'est interdit. Ça, on a dit non, hop, je montre pas. Hop, bon, bref. Regarde, il y avait la main d'un extraterrestre aussi. Trop classe. Les petits vaisseaux spatiaux. Ça, c'est mon premier vaisseau spatial que j'ai animé. Il a mis des couleurs et puis ça fait de l'électricité. Voilà. Yeah. Celui-là, on le voit dans Bat Snake, mais on le voit pas que là. Parce que c'est aussi lui qui a créé les pyramides. Et puis à vous de voir ça sur la chaîne, hein, comme ils disent les autres. C'est de la pub. Voilà. Ce niveau-là, ce qui est passé, c'est passé. Ce qui est à faire et plus à faire. Et moi, je suis vraiment une pine pour faire des annonces. Ça, c'est clair. Pas de commentaires en plus. Et ça, c'est, je comprends pas pourquoi j'ai jamais de commentaires. Peut-être que j'en aurai après, je sais pas. En bref, n'hésitez pas à venir voir. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Récemment, il y a des personnes qui m'ont demandé de faire fumer un rat. C'est chose faite. Par contre, c'est pas encore disponible, mais c'est chose faite. Il y a plein de. Voilà, je sais pas, moi, tu as envie de voir un éléphant qui fait du vélo. Bah, tu me dis, tiens, j'ai envie de voir un éléphant qui fait du vélo, ce serait bien. Enfin, et voilà, je suis. Hein. C'est pas que j'ai pas d'idée, mais si vous voulez voir des trucs, et bah, faut pas hésiter, parce que c'est sympa aussi. Hein, voilà. Et projet avorté, bah ouais, c'est fait. Chronophage, c'est fait. Merci. Ah oui, merci, on a passé les 500 abonnés sur la chaîne. Et bah, ça, c'était vraiment cool. Ça, c'était vraiment cool. Et plus de 1000 sur Facebook. 1068. Mais un coup, ça monte, un coup, ça descend. Des fois, j'ai de l'activité. Des fois, j'en ai pas. Je me suis rendu compte que les gens. Voilà. Faites ce que vous voulez. Mais c'est cool. Voilà. J'étais content. Bon, bah, pas de commentaires. Je vous dis à bientôt, les amis. Hein. Oh, je me suis transformé en moi. Ah, et ça, c'est la petite loutre qu'attend papa tranquillement qu'il fasse ses conneries.